Alors nous avons ici deux parfaits symboles de l'amitié entre le Québec et la France, notamment dans le domaine de la gastronomie, parce que français pour l'un, québécois pour l'autre, vous avez tous les deux défendu et promu tout au long de votre vie au Québec la cuisine française pour Jean-Luc Boulet et le savoir-faire viticole français pour Martin Gosselin, en alliant ainsi les deux composantes indispensables d'une table d'exception, ce que sont devenus vos restaurants à Québec. C'est pour reconnaître cette excellence que la République française a voulu vous distinguer en vous élevant, Jean-Luc Boulet, au rang d'officier dans l'Ordre du Mérite Agricole, puisque vous êtes chevalier depuis 2010, et en vous faisant, Martin Gosselin, chevalier de ce même ordre. Alors, Théodore Zeldine, qui a si bien su analyser les passions françaises, a dit « La gastronomie est l'art d'utiliser la nourriture pour créer le bonheur. » Jean-Luc Boulet, pour rendre hommage à ce bonheur que vous avez apporté autour de vous depuis 40 ans, je suis fier, au nom de la République française, de vous élever au rang d'officier dans l'Ordre du Mérite Agricole. Merci Madame la Consule, merci à la République française bien sûr pour cet honneur. Je suis touché, je l'étais énormément quand j'ai reçu la médaille de chevalier du mérite agricole. La priorité dans la vie c'est de bien s'entourer, de personnes qu'on aime, de personnes qui ont les mêmes philosophies que moi et des personnes qui sont passionnées. C'est ce que j'essaye de faire au Saint-Amour depuis 40 ans parce qu'en effet le Saint-Amour lui fêtera ses 40e anniversaire bientôt dans un an. Alors, c'est pas rien, Martin, tu le sais, tenir 40 ans d'excellence gastronomique, c'est du travail, c'est de la passion, c'est beaucoup d'énergie. Et ça, sans une bonne équipe, je peux pas y arriver tout seul. Merci beaucoup. Puis, Martin Gosselin, en écho à la phrase d'Ernest Hemingway, le vin est ce qu'il y a de plus civilisé au monde. Et en reconnaissance de vos accomplissements remarquables, je suis fière, au nom de la République française, de vous faire un chevalier dans l'Ordre du Mérite Agricole. La vie m'a comblé. Et puis, j'ai encore une petite place pour l'écriture et aussitôt la retraite prise, je vais rouvrir mon porte-plume pour justement continuer à vous préparer quelque chose qui va être tout à fait différent de tout ce que j'ai fait. Alors, ce sera pas mal long. Mais Martin, cette médaille n'est pas un terme à sa carrière. Oui, non, oui, c'est... Non, 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 non,